Nous sommes lundi, bon je vous reprends, il est déjà bientôt 15h, il est 14h46. Là je voulais vite fait monter une vidéo. J'ai pris un drive Leclerc pour 15h, alors il y a pas mal de trucs qui seront pour ce soir, il y a des trucs pour chez nous. Et j'ai rendez-vous au centre de la douleur à 15h30. Du coup je vais aller au drive, j'ai pris exprès que des trucs qui vont pas au frais, comme ça voilà. Et ensuite je vais à mon rendez-vous et ensuite je rentre me préparer, il faut que je filme une vidéo. J'ai pas mal de trucs à faire et je revois Jade ce soir, j'ai trop trop hâte. Les gars, c'est déjà nouvel an. Je me rends pas compte. Bon, et là, je suis en train de monter le vlog du 25 décembre. Oui, je suis un petit peu en retard, mais bon, entre le boulot, tout ça, c'était un peu compliqué. J'ai monté mon vlog, ça y est, ça charge. Du coup, là, je vais partir, il est 14h55, mon drive, c'est à partir de 15h et c'est sur mon chemin, donc nickel, well. Voilà, là, j'ai mis des habits que j'ai achetés. Du coup je vais vite faire vous montrer chez Bershka. Je sais plus si je vous avais dit que j'allais chez Bershka, je crois que vous l'avez dit. Bon, mon miroir n'est toujours pas plus propre. J'ai ce petit sous-pull. Bon, ils aiment bien faire des trucs côtelés comme ça chez Bershka. Bordeaux avec du coup un petit pantalon un peu comme dans le style de ceux que j'ai. Oui, désolé, ça servait derrière, c'est parce que la douche fuit, du coup c'est pour voilà. Du coup c'est un peu ouais dans le style de ceux que j'ai, sauf que le bas, je sais pas si vous allez voir, c'est beaucoup plus large. Voilà, c'est un petit motif pied de poule comme ça. Je crois même que, mais en fait je vous ai montré ce que j'ai acheté, je suis bête. Mais bref, du coup voilà, j'ai mis ça, je vais mettre un petit manteau noir et puis j'ai mis des petites baskets blanches. Et let's go. Bon sinon j'ai un souci, mon copain avait acheté ça et je kiffe à la pastèque. Bon le goût part très très vite mais c'est trop bon. Bon ça y est, drive récupéré, il y avait tac et non, donc là j'étais chez Leclerc Drive parce que j'ai voulu faire un Carrefour Drive, sauf qu'il n'y avait aucun créneau dispo cet après-midi. Les gens ils ont tous la flemme d'aller faire les courses, les drives c'est cool. Du coup voilà, je pense que je vous montrerai en rentrant du coup ce que j'ai pris et la direction du coup l'hôpital pour mon petit rendez-vous. Bon, 15h16, je viens d'arriver, je viens de m'inventer une super place les gars, parce que bien sûr le parking le plus frais gratos est plein. Donc voilà, je vais remonter une petite place, ce sera très bien ici, le temps de mon rendez-vous. Et voilà, je suis presque en avance du coup, parce qu'il est 15h16. Et je sais que ce genre de rendez-vous, c'est très rare qu'on soit pris à l'heure. Peut-être le temps de vous montrer vite fait ce que j'ai acheté. Du coup, j'ai pris... oh non, je viens de voir, j'avais pris des scoles pommes vertes et c'est des scoles agrumes. Oh, je suis dégoûtée. J'aime quand même, mais c'était les pommes vertes que j'ai demandé, donc je suis un peu deg. Bon, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais j'ai pris de la vodka, du chopsalé, du jus de raisin, du jus d'ananas. Et ça, c'est des trucs plus pour chez moi, genre des bananes, des courgettes. Et j'ai pris des bonbons pour ce soir. Et je viens de regarder pour les scoles, j'ai pris agrumes, donc je pense qu'ils ont dû se tromper sur le site et mettre la photo de pomme, je pense. Bref. Bon, ça y est, je sors de mon rendez-vous, j'ai les cheveux attachés puisqu'on a refait les infiltrations comme la dernière fois. Donc des petites piqûres dans les nerfs. Comme je vous l'ai dit, on a refait les infiltrations. Si dans un mois ça marche pas, elle m'a prescrit un nouveau médicament parce qu'en fait moi j'étais pas trop pour reprendre un nouveau truc là. Du coup si ça passe pas avec l'infiltration, j'ai un nouveau traitement à tester. Ensuite elle a pris rendez-vous, enfin en fait avec les infirmières du service. Je vais faire du TENS, j'ai oublié ce que ça voulait dire exactement. Je sais ce que c'est mais je sais plus exactement les initiales. Bref, c'est de la stimulation en gros avec au niveau là quoi. Bref, j'ai voulu rechercher TEN sur internet pour vous redire les lettres exactes parce que moi je vois ce que c'est, mais je sais pas vous l'expliquer, mais ça veut pas changer. Et faire aussi de l'hypnose. Voilà, elle m'a dit que ce serait sûrement pas avant février-mars parce qu'il y a un peu de délai. Ça y est, ça charge. Alors, neurostimulation électrique transcutanée, voilà, c'est ça. Voilà. J'avais déjà essayé ça pour mon dos, c'était pas ouf, mais là du coup pourquoi pas tester ça. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire pour continuer. Et parce que là le médecin que je vois en plus elle sera en arrêt jusqu'à sûrement septembre. Je crois qu'elle était enceinte, j'ai rien osé vous le dire parce que je trouve que c'est toujours gênant quand on voit un petit ventre rond et imagine c'est pas ça. Mais là quand elle a dit ça en plus, ça m'a, je me suis dit... peut-être. Bref, il est 16h16, je rentre à la maison.
Me voilà rentrée. À la base, j'avais dit que je me préparerais peut-être avec Jade, sauf que là, en fait, vu que je dois filmer une vidéo, je vais me maquiller tout de suite. Je vous avais dit aussi que j'allais peut-être utiliser la Naked de Chérie, mais j'ai envie de faire un make-up, je pense, doré. Vu que ma robe elle est argentée, j'ai pas envie de faire total argent, je pense. Moi, les seuls trucs que j'aime pas trop quand on mélange l'or et l'argent, c'est genre avec les bijoux. Mais sinon, ouais, si ma robe elle est. Je vous l'avais déjà montré d'ailleurs, je crois. Elle est comme ça, donc si je fais un make-up doré, je pense que ça va pas choquer. Mais si je fais un truc argenté, j'ai peur que ça fasse trop. Donc je pense que je vais me faire un make-up doré pour mettre un rouge à lèvres un peu. Pas rouge-rouge, mais un rouge à lèvres. Bref, je vois ce que je veux dire, j'arrive pas à m'exprimer. Donc je vais m'occuper de ce make-up. Je vais laisser du coup mes cheveux attachés parce que pour se maquiller, c'est mieux. Là, j'ai un petit peu mal là où elle m'a fait les infiltrations. Enfin, je sens que ça. Je pense que je vais me faire chauffer une bouillotte et que je vais la mettre, ça va faire du bien. Faut juste que je trouve ma bouillotte qui va parce que genre j'ai ça mais ça va jamais tenir. Me voilà magnifique avec ma petite bouillotte. Je viens me mettre une base sur le visage. Du coup j'ai la peau toute douce, chose que je ne fais jamais, je me mets jamais de base. En même temps genre pour aller en cours et tout ça, j'ai plus peur que ça étouffe la peau qu'autre chose. Donc je vais me maquiller dans cette super tenue avec... C'est magnifique. Je voulais vous poser, mais je crois que vous êtes un petit peu trop en équilibre. À tout moment, vous pouvez tomber. Je pense que je vais pas vous filmer tout le make-up. Là, je vais du coup choisir quelle palette pour les yeux je vais utiliser. Je sais pas du tout, du tout. Enfin, j'ai une petite idée dans ma tête, mais déjà là, il y a des belles couleurs là-dedans aussi. Paillettes. Je vais laisser celle-là de côté et je pense du coup que je vais utiliser une Naked si j'arrive à la sortir. La Naked Smoky, parce qu'elle a du doré et tout. Bref, je pense que je vais faire un mix de plusieurs palettes. Je pense que je vais prendre la Naked 1 aussi parce qu'elle a pas mal de doré. Si pareil j'arrive à la sortir, mon truc à palette là c'est l'enfer. Faudrait que je me retrouve à un autre enjouement parce qu'il n'y a plus de place. Ou sinon, il y a du doré aussi. Là, enfin celle-là est pas super dorée mais un peu plus. Je vais voir, bref, je vais faire mon petit make-up et je vous montre après. 17h17, j'ai changé de tête. Alors j'essaie de vous trouver une bonne lumière. Donc voilà mon make-up. Je me suis d'abord maquillée les yeux et ensuite le teint. Sauf que je me suis rendu compte que j'avais oublié de démaquiller. Genre je maquille mon teint par-dessus. Du coup il y a quelques paillettes par ici parce qu'il y a des chutes. Je mets un highlight, je sais pas s'il va bien se voir. Enfin bref, là vous êtes avec la lumière d'assez de bain donc c'est pas ouf. Et en fait je voulais mettre ce rouge à lèvres qui est pas tout à fait rouge rouge mais je le trouve trop beau. C'est un... de chez Kylie. C'est un de mes préférés, c'est le Kristen. Et du coup, je sais pas si vous allez bien voir mon make-up. Et j'ai mis du mascara avec des fibres et tout. Donc voilà pour ma petite tête. Là, je vais défaire mon chignon qui a du... Genre, mes cheveux, ils étaient bien. Parce que je les ai lavés ce matin. Mais là, je pense qu'ils vont ressembler plus à grand-chose. Donc je pense que je vais un peu les lisser. 17h18 déjà. Pff, ça passe vite. Et voilà, ensuite, je m'attaque à ma vidéo. J'espère que j'aurai le temps de la monter. Au pire, je la montrerai demain. Mais je voulais l'envoyer à la marque. Mais bon, je pense qu'il travaille pas demain. Donc si je l'envoie demain, je pense que c'est pas grave. Parce qu'elle doit être publiée le 7. Non. Du coup, il faut qu'ils aient le temps de la voir, de l'envoyer à leur responsable et tout ça. Pour, parce que c'est une vidéo pour quelque chose. Du coup, c'est une vidéo que je vais envoyer avant pour que. En gros, ils vérifient que je dis pas non. Mon chouchou est coincé dans mes cheveux. C'est la technique du. J'enlève mon chouchou sans me tirer les cheveux. Ouais, ça va encore, je pense que si je les brosse, voilà, faudra peut-être que je lisse quelques mèches parce que vous voyez que ça a pris un peu les marques du chouchou. Hein. Les gens qui disent que ce genre de chouchou ça fait pas de marque, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Je l'ai essayé, c'est faux. En tout cas sur mes cheveux. Bon, ça y est, je me suis occupée de mes cheveux et c'est là que je vois vraiment qu'ils sont bien poussés. Regardez-moi ça. Surtout que là, ils sont vraiment genre hyper lisses, du coup, on voit vraiment bien. Ça y est, ma vidéo est terminée. Je vais peut-être en filmer une deuxième, mais là il est déjà à 18h. Le train de Jade arrive à 18h20. Du coup, le temps qu'elle arrive, tout ça, qu'elle vienne. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger un peu parce que c'est un petit peu le bazar. Voilà. Bon, ça y est, je suis habillée avec ma petite robe. Je vous l'avais montrée dans un haul, mais je vous la remontre. C'est une petite robe comme ceci. Voilà. Voilà, voilà, elle est assez courte, je pense que je vais pas mettre de collant, j'en mets un collant quand même au cas où. Mais voilà, je vais mettre des petits talons avec et voilà.
Et là, j'ai super mal au dos, alors je vais faire des petits étirements. En attendant que Jade arrive. Et voilà! Parce que là, j'ai trop mal. Désolée si j'ai le nez rouge, je viens de me moucher. Super! Et là, j'ai allumé une petite bougie que je vais mettre dans l'entrée, sinon je vais oublier d'éteindre. C'est une bougie de la marque Les Bougies de Charou. Camille m'a offert. Et celle-ci, c'est la Fleur de Thierry qui sent genre l'été. Je pense que je vais pas tarder à l'éteindre. Ça diffuse vraiment bien pour un petit truc, franchement. Au top du top. Et elle sent trop bon. Bon, changement de programme. En fait, Jade, là, elle venait à pied. Et elle m'a dit qu'elle a mal au pied. Je suppose du coup qu'elle a un talon. Et je lui ai dit, tu veux que je vienne te chercher? Elle m'a dit, non, non, pas de soucis et tout. Et je lui ai dit, de toute façon, j'ai rien à faire, moi. Donc, du coup, changement de programme. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train... J'espère qu'on ne va pas voir ma culotte. De mettre un collant, du coup, parce que là, je sors... Et il risque de faire frisquette. Bon, et comme je ne compte pas mettre mes talons pour conduire là-dessous. Mais regardez-moi ça, je suis en Converse, tout va bien. Tout va bien, je vais mettre une petite écharpe pour cacher le décolleté aussi. Et on sera nickel. Voilà, parce que ça me dérange pas de conduire en talons, mais c'est quand même plus confortable à plat. Et je vous ai pas dit, mais j'ai fait la French avec mon truc semi-permanent. Je vais voir combien de temps ça tient et j'ai mis du rouge sur les pieds. Mais il y a un endroit déjà où j'avais dépassé sur la peau. Et ça se décolle un petit peu du coup parce que j'ai mal mis, mais ça c'est ma faute. Du coup je sais pas si vraiment je vais vous refilmer des trucs, donc si jamais je ne vous refilmerai pas, je vous souhaite une bonne année, bonne santé, tout ça tout ça. J'espère que vous aurez bien fêté la nouvelle année. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait dans les commentaires. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour un prochain vlog.